Alors, de tous les millésimes que j'ai eu le plaisir de vinifier, le millésime 2022 fera sans doute date. Tous les éléments ont été favorables pour définir des vins amples, généreux, aromatiques, qui ont très très bien vieilli jusqu'à maintenant, qui vont donner certainement le plus grand millésime que Bordeaux ait jamais fait. Je suis un peu délirant peut-être dans mes propos, mais parfaitement réaliste quant à la qualité du vin, que ce soit rive gauche, rive droite, dans l'entre-deux-mers, même à Sauternes, même dans les blancs de Bordeaux, on a affaire à quelque chose d'unique.